Oh, tant de violence qui s'exprime dans un monde, dans un pays si silencieux, si calme, mais en même temps rempli de destruction. Oh, les êtres humains, ils sont pris comme de la bétail, ils sont comme des cow-boys qui sont seulement à l'abattoir. Oh, mais en fait, que l'humain cherche-t-il en fait? Il décide de la vie de chacun d'entre nous. Il est difficile de savoir qu'est-ce que nous devons faire en cet instant même. D'autres préfèrent se réunir, d'autres préfèrent rester chez soi, d'autres préfèrent aller dans une autre ville, enfin voyager. Malgré tout ce qui se passe, il y a aussi le côté spirituel. Et côté spirituel, c'est comme s'il y avait l'attaque de l'ennemi, mais de façon spirituelle. Par exemple, des bombes à gaz spirituelles, l'air qui n'est pas vraiment correct. Voilà, c'est plus ce côté-là en fait. Je ne suis pas trop détaillée. Donc dans tout cela, ce que nous pouvons faire, hein, c'est vraiment garder ce côté de séparation. Et quand on fait la séparation, eh ben, c'est ce qu'on a décidé, c'est ce qui se fera. Merci à vous. Au revoir.